Eh bien salut les routiers, c'est Ruben1800, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 pour la présentation de mods, de nouvelles infos, enfin plein de nouveautés que je vais vous expliquer tout ça plus tard. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer, enfin vous dire plutôt, quel mod j'utilise dans cette vidéo tout simplement. Donc je vais vous montrer la carte. Donc je suis dans la CZSK Add-on Map by Vlasta version 2.3. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais dans la version 2.1. Donc là vous allez me dire c'est un petit peu inutile que je refasse une vidéo dessus. Mais non, en fait j'ai trouvé qu'il y avait pas vraiment de map très intéressante actuellement. Et puis en plus je trouvais que cette map était très bien. Et puis en plus dans la vidéo que j'avais fait, enfin la toute première vidéo que j'avais fait dans cette map, bah c'était que en République Tchèque. Donc là je me suis dit pourquoi pas faire un voyage en Slovaquie justement. Donc en Slovaquie, alors on va faire un voyage de Banská Bystrica et on va prendre toutes des petites routes et puis nous allons aller jusqu'à Michalovce. Voilà, je sais pas comment ça se dit, mais en gros voilà, on va jusque là. Donc c'est un petit voyage de 295 km, donc ça va aller plutôt vite. Donc on va démarrer, donc enfin j'ai déjà démarré mais bon. Alors je suis avec une remorque fraîche logistique du Jessica Spack évidemment, donc je transporte des batteries de camion, donc 18 tonnes, et je suis avec un Scania Air 730. Donc on y va, écoutez, je vais déjà prendre la route, et puis bah, je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire tout simplement. Alors allons-y. Donc aussi vous l'avez sûrement vu que là j'ai un mode winter, donc oui il neige, enfin il neige pas non mais il y a de la neige partout. Donc oui je suis avec le mode winter is coming qui est fait par, attendez j'arrive pas à lire parce que j'ai écrit dans un papier, j'ai écrit SMH, voilà, donc c'est SMH qui a fait ce mode, donc qui est plutôt intéressant. Enfin bon moi je l'ai pas encore testé, enfin c'est la première fois que je fais un voyage avec ce mode neige, mais il m'a l'air plutôt sympa vu comme ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus, ça pourrait être sympa d'avoir un petit peu de neige pour changer. Voilà, donc tous ces modes justement, enfin les deux modes plutôt que je vous ai cités jusqu'à maintenant, bah ils sont compatibles avec la version 1.21 du jeu évidemment. Donc justement aussi je suis avec le DLC des cabines intérieures, la cabine accessories DLC évidemment que j'avais présenté précédemment. Donc ça prouve que je suis bien en 1.21. Donc maintenant autre chose, donc je compte, enfin je voulais plutôt faire une dédicace à un pote à moi qui se nomme iPady160, tout simplement parce que vous l'avez sûrement vu, que j'ai un nouveau skin. Donc attendez, je vais vous montrer ça après l'intersection parce que là sinon ça va pas être évident. Donc attendez, là il y a des voitures, on va les laisser passer puisqu'ils ont la priorité évidemment. Oh il me laisse passer, bah merci, puis en plus bon ça devient un push de toute façon pour eux. Donc je vais vous montrer le skin en détail. Alors voici le skin. Donc vous l'avez vu, c'est le drapeau suédois. Donc en fait, iPady160, il m'a offert un DLC de Suède justement. Enfin non, il m'avait dit choisis un DLC de couleur, et enfin de skin. Et puis voilà, j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que je me suis dit ça pourrait aller bien avec les Scania et les Volvo puisque c'est suédois justement. Donc je tiens à te remercier. Et puis il a une chaîne YouTube justement. Et puis bah je vous mets le lien dans la description tout simplement si vous voulez faire un petit tour. Donc il fait des vidéos sur Euro Truck comme moi. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc merci encore hein, iPady160, c'est super sympa de ta part. En tout cas ils sont super, donc si jamais pour information, comme tous les skins de couleur il me semble, enfin tous les skins de pays, tout ça, il me semble, c'est toujours 4 skins. Donc là en l'occurrence ouais, il y en a 4, donc j'ai pris celui-là qui me plaisait le plus, hein, voilà. Je trouve sympa qu'on ait le drapeau suédois dans toute la cabine, c'est vraiment super sympa comme ça. En tout cas j'adore, donc merci. Ensuite, je voulais vous annoncer quand même qu'il n'y aura pas de TTH Rule cette semaine. Donc oui, parce que en temps normal, il y en a une par semaine, hein, la TTH Rule. De manière générale, ils sont les vendredis. Et puis, bah, le temps que je fasse le montage le samedi, bah, elles sont généralement postées le dimanche ou le lundi qui vient après. Donc là, il n'y aura pas de fou de la route. Enfin, de fou de la route, non, de TTH Rule, excusez-moi. Je m'en mêle déjà, c'est super. Donc il n'y aura pas de TTH Rule pour maintenant, tout simplement, parce que bah, je vous expliquais tout ça après. Et il n'y aura pas non plus la semaine prochaine de TTH Rule. Voilà, donc c'est pas que j'arrête la série. C'est pour la simple et bonne raison que je serai absent pendant une semaine maintenant. Donc le jour même que vous voyez cette vidéo, enfin le lundi donc, puisqu'on est lundi aujourd'hui, et ben je suis en vacances, voilà, je pars en vacances pendant une semaine. Du coup ben, je ne serai pas là pour faire des vidéos. Et puis ben excusez-moi, donc vous allez peut-être me dire, ouais mais t'aurais le temps de faire
faire le montage de vendredi jusqu'à lundi que tu pars pour la TTH Rule de cette semaine. Donc oui, enfin non, je l'ai quand même pas fait parce que ça serait un peu limite de temps, parce que c'est vrai que j'ai des choses à faire justement avant de partir en vacances. Et puis bah je me suis dit, si maintenant je fais la TTH Rule, enfin si j'aurais capturé la TTH Rule de ce vendredi, et bah ça me prendrait beaucoup de temps de montage, et après ça me stresserait. Et puis moi j'aime bien quand je suis tranquille, quand je suis pas stressé, enfin je préfère vraiment prendre mon temps. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tout basique comme ça, en présentant des mods, puis en vous disant justement que je serai absent. Donc je suis désolé, donc il y aura pendant 2 semaines pas de TTH Rule. En espérant bien sûr que cette série vous plaît toujours. Enfin bon, d'après ce que je vois, les statistiques, hein, des likes, tout ça, les commentaires aussi, vous aimez bien cette série. Donc bon, écoutez, moi en plus je prends du plaisir aussi à faire ça. Je prends pas mal de temps à faire le montage de ces vidéos. Enfin bon, il n'y a pas grand chose comme montage, mais bon, comme je suis petit youtubeur, je prends pas mal de temps. Du coup, bah, faut savoir, voilà, je prends quand même pas mal de plaisir à faire les montages de cette série. Donc pour ça c'est tout bon. Donc ouais, il reste 224 km, du coup j'aurai tout le temps de tout raconter. Ouais, j'ai pensé quand même que les 295 km à faire pour ce voyage seraient un peu justes, mais bon, écoutez, ça va très bien. D'ailleurs, je trouve super sympa la campagne ici en Slovaquie, hein. Là on est bien dans les montagnes, c'est bien enneigé, c'est super sympa. C'est vraiment très joli, en tout cas la map elle est très bien réalisée, toujours aussi bien faite. J'adore quand c'est une map comme celle-ci justement qui détaille bien des régions comme ça, c'est juste super sympa, moi j'adore. Donc on va dépasser lui par contre, voilà, je fonce comme un fou, hein, j'ai 730 chevaux, même s'il y a un camion en face, voilà, je suis un malade, merci, c'est arrêté. Donc on y va, là je sais pas, je suis à 136, super, je vais vraiment comme un fou, ouh là là. Hop là, non, 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 s'il te plaît, ne te retourne pas, non, 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 commence pas, oh là là, quel bordel. Sérieux, ça commence super, hein. Vous voyez, je fonce, puis je fais même pas gaffe au virage. Donc oui, bon, j'ai quelques dégâts, ce n'est pas la fin du monde. Ouh là, vous avez peut-être entendu, j'ai un message, désolé. Donc, bon, j'ai encore autre chose à vous raconter, donc, justement, alors, les infos de l'absence, j'ai dit. Donc maintenant, je vais vous parler de... Oh purée, j'ai même pas vu qu'il y avait un rond-point. Oh là là, oh là là. J'étais en train de lire ma feuille, c'est pour ça. C'est bon, j'ai réussi à me reprendre. C'est très bien. Donc c'est des petits ronds-points comme on a dans le DLC Scandinavia ou dans la promo map. C'est très intéressant aussi. Donc très bien, moi je vois rien, je vous le dis aujourd'hui. Enfin bon, de manière générale, dans mes vidéos, je conduis pas très bien, on est d'accord. Je suis un peu fifou. Donc bref, alors je voulais vous parler que justement, quand je reviens des vacances, je vais attaquer des nouveaux jeux dans ma chaîne YouTube. Donc oui, parce que bon, ma chaîne YouTube, j'ai que fait des vidéos de Road Truck Simulator 2 dessus. Puis je me suis dit, bon, pour quelqu'un qui aime Road Truck Simulator 2, c'est très bien. Mais en même temps, je trouve que ça pourrait être un petit peu trop répétitif comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas attaquer d'autres petits jeux. Mais quand je dis d'autres petits jeux, c'est pas 10 jeux en plus, hein. Non, non, genre 2-3 jeux différents, quoi. Donc j'ai déjà des idées de jeux. Donc re tout le monde, désolé pour cette petite coupure, il y a eu une petite interruption, j'ai dû faire une coupure. Bon bref, alors oui, je parlais justement des nouvelles séries qui vont venir, donc quelques jeux en plus. Donc c'est quand je reviens des vacances ça, donc je compte faire des nouveaux jeux évidemment. Donc j'ai des idées de jeux, dont par exemple je joue pas mal à un jeu qui se nomme Agar.io, que vous connaissez sûrement, voilà, c'est un jeu très connu. Donc qui est tout bête, hein. C'est vraiment un petit jeu tout bête. J'explique quand même le principe pour ceux qui ne connaissent pas, on sait jamais, hein, y a toujours des gens qui ne connaissent pas tous les jeux. Donc Agar.io, le principe c'est qu'en fait on est une boule, et puis on doit bouffer tout simplement toutes les autres boules. Donc enfin on doit aller manger les boules plus petites que nous. Puis bon bah le but c'est d'être la plus grosse boule, puis de bouffer tout le monde. Enfin voilà, c'est assez marrant. C'est un jeu très simple, le concept est tout bête, mais c'est vraiment super sympa. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ça, malgré que parfois je rage un peu. Mais bon voilà, ça c'est moi. Après il y a toujours les gens plus calmes, mais bon moi je fais pas vraiment partie de ces gens-là. Donc bon, justement, au risque que je risque justement de vous faire peut-être un peu peur parce que je rage beaucoup. J'ai déjà traumatisé certains de mes collègues, hein, mais bon voilà. Donc justement, les vidéos d'Agario seront en accéléré, je vous le dis déjà, comme j'ai fait à un moment des vidéos de Road Truck Simulator 2 quand j'avais encore mon ancien casque. Je n'avais pas vraiment la motive de faire des vidéos entièrement commentées. Du coup, bah là, ces vidéos d'Agario seront entièrement en accéléré avec une musique de fond, enfin plusieurs musiques de fond même. Et puis bah voilà, puis j'essaierai de poster une vidéo quand je ferai un bon score, tout simplement. Donc pour Agario, ça c'est bon. Puis j'avais aussi un autre jeu que je voulais vous présenter. Bah disons, il y a des gros ralentissements ici. Donc oui, il y a des travaux. Donc ouais, je crois que cette autoroute, par contre, c'est dans la map de base déjà, hein, oui, il me semble. Donc
Donc il y a un autre jeu aussi que je voulais faire que j'ai dans mon PC mais que j'y joue pas beaucoup malheureusement, donc peut-être que YouTube ça va me motiver un petit peu plus jouer. Donc c'est un jeu qui se nomme Grid Autosport, qui est un jeu de course de voiture justement, que j'aime bien, mais en fait le truc c'est que je joue quand même pas très souvent. Donc bon, j'ai bien envie de m'y mettre un petit peu. Donc c'est un jeu pas tout tout récent, mais il est quand même sympa, il est joli graphiquement aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos dessus. Mais vous voyez, les vidéos que je fais sur Road Truck Simulator 2 par exemple, je parle de concept, enfin pas vraiment de concept, mais je raconte quelques trucs, je dis les infos de ma chaîne, tout ça. Du coup ça va assez tranquille le Road Truck. Mais genre, les jeux comme Grid Autosport, là je ne risque pas de commenter de cette manière-là. Parce que Autosport, c'est un jeu de course, je dois quand même un minimum me concentrer. Donc dans ces cas-là, quand je ferai des vidéos sur Grid Autosport, ça sera pas en accéléré, mais par contre, je vais commenter à fond la course. Voilà, je vais dire, oh, je suis premier, je suis deuxième, oh mince, il me dépasse. Enfin voilà, vous comprenez le truc. Je vais commenter en gros la course. Donc ça pourrait être sympa, je pense. En plus, bon, comme ça, je me rattacherai un peu plus à ce jeu parce qu'à un moment, quand je venais de l'avoir, en fait, j'y jouais pas trop mal, mais maintenant, ça fait un petit moment, du coup, il faudra que je m'y remette un petit peu dans le bain. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai que ces deux jeux en plus que je pourrais faire dans ma chaîne YouTube. Donc pourquoi pas, je me suis dit comme ça varie un petit peu plus ma chaîne YouTube au niveau des jeux. Et puis voilà quoi, parce que je trouve que de faire que des vidéos sur Road Truck Simulator 2, ça pourrait être un peu trop lassant pour certains. Donc je me suis dit allez, un petit peu des jeux en plus c'est des jeux sympas quoi. Je vais pas faire des jeux en plus juste pour être varié, puis des jeux que j'aime pas. Non non, moi je fais vraiment des jeux que j'aime bien aussi, parce que oui, je joue pas que Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2 évidemment c'est le jeu qui me plaît le plus, puis le jeu que je joue le plus souvent vu que je suis passionné de camions tout simplement. Mais voilà, Gario, je prends aussi pas mal de plaisir, même si je suis pas passionné de boules hein. Voilà, c'est pas une passion les boules, mais bon, à part voilà les boules de billard, je sais pas, n'importe. Donc voilà, puis Grid Autosport, bon, j'aime bien les voitures en plus, puis les sons des moteurs et tout, c'est assez impressionnant. Du coup, je me suis dit aussi pourquoi pas. Puis bon, c'est super sympa quoi de conduire dans une course, c'est rien à voir avec Euro Truck quoi. Bon, sauf que oui, c'est vrai que je conduis un petit peu comme un bourrin, puis je conduis très vite sur Euro Truck, donc bon, peut-être que ça va un petit peu me. Je vais beaucoup me lâcher, je pense, sur Grid Autosport. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en privé ou n'importe où, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de. Du fait que je vais faire plusieurs jeux dans ma chaîne YouTube justement. Donc ça sera au minimum dans une semaine ou deux évidemment, puisque je vais partir en vacances. Donc oui, je vais quand même sortir. Ouh là là, oh non 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 non, s'il te plaît. Oh là là. Oh là là, c'est pas possible. Je conduis super mal. Oh mais il fait chier lui là. Allez, bouge. Bon, j'y vais, hein, je m'en fous. Oh non, c'est pas vrai, on est bloqué. Allez, avance. Ah c'est bon. Oui bon, ne faites pas attention à ma conduite, hein, voilà. Je conduis pas très bien, voilà. C'est bon, hein, pas la peine de me le dire ou de vous le dire. Parce que oui, je conduis très mal, je le sais. Donc là on va direction Prešov, ou je sais pas comment ça se dit. Donc bon, c'est vrai que quand je conduis comme un fou, en plus, si je commente, je fais rien gaffe du tout. Donc bon, voilà. Ça rappelle avec la vidéo de la Tasmania Map, Australia, là, machin. J'arrêtais pas de dépasser n'importe comment les véhicules, enfin bon, bref, c'était abusé. C'était vraiment du n'importe quoi. Bon, là on arrive justement dans la petite ville de Prešov. C'est très sympa, regardez, c'est une petite ville comme ça, c'est super mignon. Enfin, c'est mignon, oui, dans le sens où il y a plein de petites maisons partout, des petites rues, des gens. C'est super sympa cette petite ville. J'aime beaucoup ça alors. Ça, j'aime bien quand il y a des villages, des villes partout comme ça. Comme en IRL, quoi. Je l'avais dit d'ailleurs, je crois, dans la première vidéo sur cette map. Donc voilà quoi, elle est vraiment super sympa cette map. Donc évidemment le Winter Mode et puis cette map là, elles sont dans la description les liens évidemment. Donc voilà, bon je crois sinon que je vous ai tout dit hein, par rapport au jeu, les vacances, l'absence de la TTH Roll pendant 2 semaines, voilà. Donc je m'excuse quand même, mais bon moi j'y peux rien, hein, voilà, j'ai aussi une vie privée, il faut bien que je parte en vacances de temps en temps. Et puis aussi bah j'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour faire le montage pour cette semaine là justement pour la TTH Roll. Puis bon, de toute façon pour vous dire, dans la TTH Roll cette semaine il y en avait que deux des personnes hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas venir du fait qu'il y avait la mise à jour 1.21 en bêta qui était sortie. Mais enfin non, pas en bêta, déjà la version complète, mais le truc c'est que il y a beaucoup, enfin, du fait qu'il n'y avait pas la mise à jour pour le multi, pour la version 1.21, bah, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas venir, du coup on s'est retrouvé que deux dans la TTH Roll. Mais bon, j'avais même pas capturé, déjà je me suis dit que ça valait pas la peine du fait qu'on était que deux. Et puis en plus, bah j'avais pas le temps pour le montage tout simplement, puisque je pars aujourd'hui en vacances. Allez, donc on va dépasser, non il y a un bus, un camion donc, du moins. Bon écoutez, moi ça me saoule, j'ai l'impression que mes freins sont très faibles. Je vais régler ça. Ah non, putain, pourtant ils sont bien là. Bon, je vais les mettre au max.
Ouais, peut-être que je me suis trompé de sens. Ça m'étonnerait. Ben, c'est pas là. Ça m'étonnerait même pas. Peut-être que. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait que je fasse. Parce que j'ai l'impression que mon camion il freine pas depuis le début. Attendez, je vais essayer. Attendez. Ah non, là c'est encore pire. Non, non, donc en fait c'était bien dans le bon sens. Donc je vais remettre les freins, excusez-moi. Voilà. Je suis très exigeant. Donc je vais les mettre à fond, voilà, parce que je conduis très mal. Peut-être qu'avoir un peu plus de freins, ça pourrait me faire du bien. Donc là, on tourne en direction de notre destination. Je ne sais même plus comment ça s'appelle la ville. Michalovce. Donc je pense qu'on est bientôt arrivé, hein, du fait qu'on a déjà passé l'autoroute et tout ce qui va avec. Donc c'est très bien. Donc on tourne. J'adore les écussons et tout ça là, qui bougent. Regardez, c'est super sympa. Regardez le dé comme il bouge. J'adore ça. Puis le chien aussi là-bas au fond, il bouge la tête, il dit non tout le temps. Voilà, il m'oublie jamais, il est méchant. Lol. Bon, bah voilà, je crois. Ouais, donc il reste 12 km, donc c'est très bien comme ça. Écoutez, j'ai réussi à commenter à peu près toute la vidéo. Voilà, je vous ai dit en plus tout ce qu'il me fallait. Enfin, comme ça, vous savez que je suis absent quand même parce que. Bon, de toute façon, je leur ai dit dans les réseaux sociaux, je vais le rappeler d'ailleurs dans les réseaux sociaux, mais je sais qu'il n'y a pas tous mes abonnés qui sont. Qui ont aimé ma page Facebook, du coup, ils peuvent pas savoir mes nouvelles. Depuis ma page Facebook, parce que bon, moi, toute mon activité YouTube, je veux dire, quand il se passe quelque chose, ou bien quand je suis absent, ou quoi que ce soit, je le dis toujours sur Facebook. Donc, bon, n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook pour avoir des informations, parce que après, j'aimerais pas savoir, j'aimerais pas qu'après il y ait des gens sur YouTube qui me disent, mais pourquoi tu fais plus de vidéos, machin, machin. Bah, il faut juste aller sur Facebook, ou bien écouter tout simplement mes vidéos, parce que bon, je le dis aussi dans mes vidéos, quand je suis absent, c'est comme en été, j'avais dit, hein, que j'étais parti en vacances. Donc voilà, pour ça je le dis tout de suite. Allez, c'est parti donc. Voilà, on tourne. Donc ouais, le Winter Mode, bon, il est bien. Mais bon, je trouve, il est pas si bien fait que ça au final. Parce que la physique, elle est pas. Enfin, ça change rien du tout. C'est comme s'il n'y avait pas de neige. Hein, voilà, ça glisse pas du tout, ni rien. Et puis bon, les arbres, il y a un truc de pas réaliste. C'est qu'en général, en hiver, on est bien d'accord. Les arbres, ils sont nus, quoi. Enfin, il n'y a pas de feuilles. Elles ont été envolées pendant l'automne. Donc du coup, il n'y a pas de feuilles avec de la neige dessus, comme sur cet arbre par exemple. Enfin voilà, si je vous montre en plus en détail, regardez. Là, il y a des feuilles sur les arbres et puis il y a de la neige dessus. Non, en hiver, il y a juste les branches, voire 2-3 feuilles de temps en temps, mais c'est tout. Y a, les arbres en hiver, ils sont pas encore avec plein de feuilles, quoi. Donc t'es, c'est bon, on est arrivé les gars. Donc bon, j'ai eu quelques dégâts du fait que j'ai conduit n'importe comment, encore une fois, comme chaque vidéo évidemment. Vous me connaissez maintenant. Hein. Bon, j'ai quand même reçu 10 000 euros. Écoutez, c'est déjà pas mal. Niveau 33, c'est très bien. Donc regardez quand même le skin, c'est quand même super sympa. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le DLC Scandinavia. Enfin non, pas Scandinavia, non. Justement, là, j'ai pensé à la suite, du coup, je me suis dit Scandinavia. Non, c'est pas le DLC Scandinavia. C'est le DLC Swedish DLC, je sais pas, je sais plus comment il s'appelle. Donc je vais vous montrer tout simplement les skins. Donc attendez, genre c'est lequel que je conduis. Pourquoi j'ai deux camions la même chose? Ah non, en fait c'est le Scania et le Scania Streamline. Ok. Donc bon, regardez, si je vous montre les peintures. Donc bon, là c'est le R, hein, voilà, c'est le R5 le camion. Et bon, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc on a ce skin là que j'ai utilisé là pour cette vidéo. On a celui-ci aussi, bon, qui est un peu plus suite. On a quand même le drapeau ici sur le côté, le drapeau suédois. Vous l'avez bien compris. Plus bas, on a celui-ci aussi qui me plaît beaucoup, mais le truc c'est que c'est un petit peu trop gris quand même. Mais du fait que le drapeau soit comme ça me plaît énormément aussi. Après, bah, celui que j'ai montré, et puis celui-ci où il y a des vikings dessus, oui, parce que vous savez, les pays scandinaves, c'est vraiment les pays des vikings. Donc, bon, c'est super sympa aussi, mais bon, je trouve encore une fois un peu trop gris. Mais j'aime bien quand c'est bleu et jaune comme ça. En plus, je trouve il donne bien sur le Scania, c'est super sympa. Donc bref, merci encore à toi mon ami iPatty160, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube que je mets dans la description évidemment pour le remercier. Donc aussi le lien du mode de la map, donc la CZSK Add-on Map by Vlasta version 2.3, oui c'est un peu long comme nom, bah elle est dans la description évidemment. Et puis le Winter is Coming mode, qui est fait par SMH, bah elle est aussi dans la description. Et je le rappelle que ces deux modes sont compatibles avec la version 1.21 et même 1.20 il me semble. Donc c'est très bien, voilà, vous avez vu la map quand même, elle est assez excellente, enfin moi je trouve ça super. Après ça serait bien encore qu'ils puissent faire en détail d'autres pays, mais bon c'est déjà bien qu'on ait déjà ces deux pays en plus, enfin plus en détail. Donc bref, je crois que je vous ai déjà tout dit, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des nouveaux concepts qu'il va y avoir dans la chaîne YouTube évidemment. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ma part si vous voulez me suivre, si vous aimez mes vidéos évidemment. Et puis bah, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je réponds à tout évidemment.
En même temps, j'ai pas beaucoup de questions, donc ça va être très facile pour répondre. Et puis, bah, voilà quoi, un commentaire sympa aussi, ça me ferait toujours plaisir. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine! Ciao, ciao tout le monde!